Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Mathieu. Votre éclairage éco tous les matins dans ce journal, ces créations d'emplois peinent à être suivies des faits. Les entreprises ont de plus en plus de mal à recruter. Oui, 60% des entreprises font état de difficultés de recrutement et du coup, les délais de recrutement s'allongent. De nombreux projets d'embauche échouent faute de candidats et ce, malgré un taux de chômage élevé autour de 8,5%. Selon une étude de Pôle emploi, on recensait en 2018 entre 200 000 et 350 000 projets de recrutement qui avaient dû être annulés faute de candidats. Et ce qui est très spécifique à la France par rapport à nos voisins, c'est que l'on déplore des pénuries dans une foule de secteurs et pas seulement dans des domaines pointus. Mais dans quel domaine est-ce qu'il est plus difficile de recruter, Nicolas ? Alors vous savez, selon Adecco, la société d'intérim qui a un baromètre, c'est la construction qui arrive en tête. 65% des entreprises du secteur ont du mal à recruter. Puis viennent l'informatique, la logistique, le secteur médical et social. Et si on parle métier, vous avez par exemple des pénuries d'embauche dans près de 80% des cas quand il s'agit de trouver par exemple un chauffeur de poids lourd, dans 67% des cas pour les informaticiens, 64% pour les personnels de cuisine, etc. etc. Pourquoi ? Parce que nous avons encore un trop grand écart entre la formation initiale et les besoins des entreprises, d'où l'accent mis par le gouvernement sur la formation continue. C'est en train de changer la donne, mais évidemment ça prend du temps et on paye là des années d'investissement insuffisant dans la formation. L'éclairage de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Merci.